Et salut braves gens, et on est de retour sur Zelda Tears of the Kingdom. On va essayer de crapahuter là-haut, tiens. On va commencer par un petit temple sympathique. Hop là. Attends. Quoi ça? On va essayer un truc. Maintenant qu'on a la paravoile. Ça se recharge ou pas? Ah ouais, ça remonte. Petite mécanique sympathique. Direct. Bon, bah, celui-là, il est pas bien dur non plus. On a déjà fait en plus. On a déjà fait un truc comme ça au début du jeu. Donc, ah, je l'ai pas collé. D'accord. Pas bien, Yuri. Voilà. Ça, j'ai dû le coller correctement. Ok, bon. Allez, hop, on est parti. Et pas mal. Alors, attends, on va regarder un petit peu maintenant. Là on a ça. Attends. Il y a un coffre. J'ai une idée. Alors. Ok, mais entre autres. C'est pas mal. Ok, regarde là. Là, t'en mets un à ce côté. Je pense que c'est ça. Ingénieux si c'est ça. Et le dernier. Ah, voilà. Ah, mais du coup. Elle n'avait pas besoin de 3, mais je vais quand même en mettre 3 au cas où. Juste par acquis de conscience. Voilà. Ah,
Bon, bah apparemment ça fonctionne plutôt bien. Ah ouais, non mais c'est excellent en fait, d'accord. Du coup je vais aller là-bas, c'est bon. Oh! Avec la lune au loin. Ça rend tellement bien. Oh. J'imagine que c'est les monstres qui respawnent. Ou quelque chose dans le lot. Oui, clarté, pas d'amalgame. Gagner ta liberté, mon petit. Oh. J'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Je sais pas jusqu'où ça va, mais... Perfecto. Wow. Passe au-dessus du temple. Hein. De la couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la grande guerre ancestrale, ils repartent à la conquête de ces terres. Ok, alors devient normal et là les monstres ont, entre guillemets, retrouvé leurs esprits, donc tous ceux que j'ai éliminés ont repop. C'est un cercle sans fin. Oh. Qu'est-ce que ça là-bas? On va aller voir. Météorite. Hein. Avec un petit faisceau de lumière. Il y a le temple là, on va juste passer à côté pour se RTP. Mais je vais aller là où il y a le faisceau de lumière. Ça m'a l'air. Je sais pas si c'est loin.
Eux, ils sont un petit peu dangereux, j'évite de les affronter pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça là. Ça brille. Ah, d'accord, ok, c'est une. Fragment d'étoile, ok. Waouh. Du coup, on est où là sur la. Ah, d'accord, on est dans cette portion là. Du coup, on va retourner. Ah d'accord, je suis obligé d'y retourner à pied. Bon, ouais, putain. Ouais, c'est pas, on a fait plus dur. Ah, par contre, j'ai hâte d'avoir un poney. Je le consens. Très clairement. Ok, j'ai compris. Là, il faut. Ok. On va faire ça. On va coller. On peut pas le coller. Bon. Été là. On va devoir être ingénieux. Donc. Donc. Je pense que là, on va être giga bien. Voilà. On se met au-dessus du niveau. Et là. Ah oui d'accord, ok, il y a ça là. La foi. Donc. Alors là, qui c'est qui me tire dessus comme ça, comme un fils de schlag. Voilà. Je crois pas. Ah mince. Bon. Je vais pouvoir là. Oh oui. Ah oui, non mais attends. J'avais pas vu. Les canards, ok. Vu que c'était un korogu qui était dans l'eau et qui essayait de se débattre, mais en fait non. Alors là par contre, du coup, voilà. Ok, ok, bon. Bon. Qui dit orage, dit pas de métal sur soi. Voilà. Tiens, puisqu'il est tôt, comme ça on s'électrocute pas. On va aller voir le petit korogu là qu'on a vu. Oh, c'est quoi ça?
Ok, alors tu veux que je t'emmène où? Ok, faut que je t'emmène là-bas. Ok. Ok, on va... On va trouver une solution, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Donc... Déjà faire ça. Ça. Attends. Ok. De trouver des solutions simples, mais c'est pas toujours évident d'avoir des solutions simples avec ces bestioles là. Mais c'est ça qui est génial sur ce type de jeu, c'est que on est parti vraiment pour s'éclater sans demi-mesure. Je tente des trucs. C'est là que tu te dis, ils ont pas inventé ce type de jeu, mais ils l'ont réinventé dans le sens où je pense qu'on va avoir dans les prochaines années pas mal de jeux qui s'en rapprochent. Il y a quelques copies par-ci par-là. Genshin Impact par exemple, qui a copié le concept de Breath of the Wild, qui l'a un peu sublimé sur certains points. Alors là, je pense que j'ai fait un pont qui est assez long. Waouh! La surprise. Peut-être pas, mon ami. Attends, on va faire ça. Là. Voilà. Et là, tu fais ça. YOLO. C'est fait. Ah, je vais le ramener. Là, on a compris. Ah! Surtout pas dans l'eau. Ça régale. Oh, quoi ça là-bas? Oh bah tiens. Yeah. Un godon. Allez, on va se faire un second sanctuaire. Je sais pas s'il y a des écuries, on va voir.
pense que oui. Partrouille. Oh. Matériaux sur la le fif, j'ai compris, matériaux de feu si possible. Vu qu'il y a des trucs de feu là, j'imagine que c'est le moment, il lance. Ok, voilà. Ok. Cœur du sanctuaire. Ah ouais, c'était gratuit, quoi. Ok, bah c'est cool. On va pas dire non, hein. Sanctuaire gratuit comme ça là, c'est encore mieux que moi. Je peux pas récupérer les compos par contre. Ouh, encore des fleurs. De deux. En train de se friter, incroyable. Ah, d'accord, ok. Ah. Je vais te donner un coup de main, mon ami. Ah mince. Ah, c'est bon. Oh, mon bouclier. Le basque. Ah ouais, d'accord, ok, maintenant on a carrément les... Avant on les voyait que dans leur région, là maintenant ils ont décidé de les faire se déplacer un peu partout. Ah. Oh, merci. Ah. Oh, vitesse plus 3. Ah. Ce feu, on peut pas le prendre. Bon, bah, écoute, hop, on va aller voir par là. Alors là-bas, on a un sanctuaire. Oh, attends, on va aller là-bas. Petit feu là. Ah, la nuit. Ah, attends, qu'est-ce qu'on a là? Thank you.
Ça c'est cool. On va. Ouais merde, d'accord, ok, c'est ça qui... Alors l'arc, une matraque. Eh mais attends, c'est une matraque quoi? C'est une matraque lance-flamme ou c'est une matraque... Ah, je suis très curieux là. On va virer ça. On va prendre ça. Ah oui. Ah d'accord, ok, lui il achète. Achète-moi des trucs, voilà. C'est bien ça. Ça on va en vendre. Voilà. Fragment d'étoile on garde. Ok. Oh, attends. Tiens, on va vendre des rubis. Voilà. Histoire d'être tout confort. Donc là, attends, parce que là... Ah ouais, d'accord, ok. C'est un autre... On va le faire. Une pierre de con, on va se reposer histoire d'avoir alors oh. 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 Ok. Oh. 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 Ok, 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 alors attends. Or si. Voilà un point, ok. Oh.
On va aller voir s'il y a une liste des récompenses. Je suis assez curieux. Hi. Ok, il me faut 2 points. Donc il faudra que j'aille dans un autre collège. Alors. 20 rubis ou 50 rubis. On va prendre Marlon. Ok, bon, on reprend la ligne normale. Hein. Pour l'instant, on peut pas. Jusqu'au matin. Ouais, voilà, un point. Ah ouais, du coup, maintenant j'ai 2 points. Attends, du coup. Ok. On va aller faire le. Oh. Aussi des fruits explosifs. Hein. D'accord, ça me rembourse la nuit, c'est très bien. Pour la mort des puits. Ah. Ça. Ok. Comme ça. Jamais en manque de. Attends. Ah ben c'est barré. Donc là on a fait ça. Les hommes des arts. Mais quand même dangereux la zone hein, en vrai. Alors j'ai vu un donjon je crois mais.
Ok, 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 c'est nickel. Angoisse nocturne. Ah bah écoute, on va aller voir. Je pense qu'on va leur bourrer le cul. Comme de pain de virule là. Oh. Oh, petite arc létale. Donc ça, ça fait plaisir, hein. 14 damage. Après, ce qu'on veut dire là, c'est... On dirait ça, on va prendre ça, on va prendre ça, boomerang. Et gourdin. Oh. Ah oui d'accord, ok, c'est le même puits. J'étais en train de me dire ça va être trop facile. Hein. Par contre, il n'y a pas de récompense. Troisième donjon, c'est vrai que ça serait cool. Hein. Ok, bon. Wow. Va falloir amener une boule. Évidemment. Ce serait trop simple. Ah.
ok. Attends. Non. Attends, on va faire comme ça. Ça ne change rien. Donc, c'est important. En fait, faut trouver. Ça va être de faire venir au loin. Mais ok. Ok, j'ai une idée. Alors, on reste calme. Reste calme, je dis. Pour savoir compris ce qu'il faut faire. Ouais, c'est comme ça. Ok. Bon. Ah, ça se passe plutôt bien en vrai. Là. Là, du coup, tu récupères la. Voilà.
Sympa, très très sympa, je dois le dire. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, donc c'est une bonne chose. Allez, 2-3. Alors toi, il faut que je te ramène où? Petite créature. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh, attends. On a vu un truc tomber. On va aller voir ça. Curiosité d'un homme. Wow. Oh. On va prendre le dernier. Donc c'est haut. Il y en a un des duo de toute façon qui est efficace, je pense. On va commencer par celui-là. Oh. Aïe. Un petit peu vu qu'on est en hauteur, on en profite. Franchement, c'est vraiment trop bien fait ça là. Je trouve qu'ils ont vraiment assuré sur le contenu. Alors là-bas, on a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais hop là. Faire celui-là là-bas. Ça va être bien, ça me plaît. Et puis là-bas, il y a un truc qui brille aussi. Tiens, 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 un cruis. Daju Katou. Ok, donc, bon, celui-là, il va être bidon. Pense. Je pense peut-être pas bien.
Ouais. Ça, je garde ça à le faire. Hop. Ok. Ok, bon. Ça va, c'est mon mignon. Alors. Ok, ok, bon. Celui-là, il est vraiment chouette. Ok. Ok. Attends. Embêtant. Attends, on va. Il va me ramener là tranquillement. Bien joué. Voilà. Faire comme ça. Ah. J'avais dit bidon. On est bien là. La zone a des choix en plus. Bon. Ah! Oh! Oh! Récompense un point. Oh! Oh! Pff,
J'ai pas de cheval pour l'instant. Oh. Hop là. Okay. Tu m'avais dit que je pouvais avoir un truc à l'instant où j'arrive. Hop. Oh. Oh. Allez, quoi, 5. Tu as des flèches à vendre. Pour prendre 20. Et je vais t'en prendre 10 comme ça. Jamais t'en manque de flèches. Wow. Ça coûte cher mais... Ok. Putain. Oh. Et du coup là, on va pouvoir se reposer je pense. Oh. Oh. Et ils jouent. Eh bien, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour les aventures de Link. Oh! Une bonne petite session de jeu. Et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à très très vite pour les aventures. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bisous.